J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, en fait, je suis membre du jury sur un gros casting qui se fait sur Paris. Je vais devoir sélectionner des mannequins qui pourront rentrer dans l'agence. À tout de suite. Bonjour à tout le monde, déjà pour commencer, et merci d'être venu et de participer justement au casting en fait. Je vais faire un petit briefing en fait pour le déroulement en fait de la journée. Rapidement, le président a dit qu'il y aura de tout. Il y aura aussi des personnes à partir de 16 ans, voire beaucoup plus. Il va présenter aussi ses mannequins pour faire par exemple des séries, des films. Donc des fois quand on fait des séries ou un film, on n'a pas besoin de faire 45 kilos, 1m80 pour pouvoir jouer dans la série. Donc vous allez voir passer des profils de tout type. Et de tout type de couleurs aussi, donc vraiment super, et c'est très rare les agences qui proposent ça. Est-ce que tu peux nous donner les critères qu'ils ont exposés? Si elles sont pas belles comme moi... Non, je rigole, pas du tout, parce que quelqu'un peut être magnifique, on va dire mince, élancé et tout, et peut-être pas sérieux du tout, qui va arriver en retard, on sait pas. Donc moi, je vais pas être trop dure. Je vais beaucoup poser des questions. Je vais être plutôt dans ça. Tu seras à la recherche du charisme, donc. Voilà, c'est ça. Et toi aussi, tu peux te présenter. Hein. Mon caméraman, vous le voyez pas, mais il est... Tu me présentes toujours ? Vas-y. Est-ce que tu me présentes toujours ? Ben non, on n'a même plus besoin. Je pense que vous me connaissez déjà, donc pas besoin de dire grand-chose. Un petit pas de nops, non. Non, ça va, ça fait plaisir d'être là. Et puis, ça va être une belle journée, vous inquiétez pas. Lui, c'est mon bébé, il sait. Bonjour, ben, comme Stérella vous l'a dit, je suis son bébé, son amour. Le tout est là. Donc, lui aussi, il fait partie du membre du jury. Jean-Marc, je lui ai proposé, mais il peut pas, il a... Non, c'est pas ça. Je suis overbooké. J'avais un emploi du temps avant, il était déjà bloqué avant que je lui propose. C'est ça le problème. Mm. Mais la prochaine fois, je suis dedans et moi, je serai intransigeant. Merci. Olivier Joey, il est Mister Guyane 2021. Et il a fait un beau geste lors de son parcours, il a gagné. Et il a donné son écharpe au premier dauphin. Au premier dauphin. Parce qu'il fallait que je parte en école et voilà. Donc aujourd'hui, j'endosse le titre de premier dauphin. Et le premier dauphin est devenu le Mister Guyane. C'était un très beau geste, on n'avait jamais vu ça auparavant, vraiment. Je vous présente Amandine. Dès que je l'ai vue en fait, dans le membre du jury, je me suis dit, mais elle, je la connais. Mais je n'osais pas lui demander. Et en fait, ça date d'un film qu'on avait fait ensemble qui s'appelle L'INSEE. On l'avait tourné en 2016. Du coup, j'ai arrêté puisque bon, je me suis focalisée sur ce qui me passionne au niveau professionnel, c'est-à-dire tout ce qui est les ressources humaines. En fait, je suis toujours dans le milieu artistique, c'est-à-dire que si on me repropose, que ce soit au niveau court-métrage, long-métrage, représentation scénique, même au niveau de la danse, je suis open. Pas trop. 42. 28. 28. 27. 27. Oui. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ok. Moi, c'est Quentin. J'habite la ville de Montfermeil. J'ai 24 ans. Et je suis premier dauphin Mister U de France. De la danse ou c'est... Ça va changer. Astée, je la connais, impossible, elle va se lever. Véridique ou pas Astée? Dis-le, dis-le. Là, c'est pour le travail. Quand on est dans les soirées, c'est différent.
pour le casting. Les mannequins sont un peu stressés, ça se voit déjà. Donc on va essayer de les mettre à l'aise, on va leur parler, on va mettre un peu de musique. Donc il y aura un petit fond musical et tout pour pouvoir les détendre. Laisser la vie à Mister Guyane et Mister Île-de-France, parce que moi à ce niveau-là, niveau démarche et tout, je pourrais pas juger. En fait, je vois, mais apprécier et donner les qualités que vous avez été coaché, ce que vous avez, je pense que c'est à vous de juger à ce niveau-là. Après, c'est mon avis. Bah, sur la démarche, on sent qu'elle est débutante, après qu'il arrive, elle est très rapide, la démarche est un peu forcée, mais je pense que ça s'apprend tout ça. C'est et ça, par contre, la motivation, elle va. Exactement. Et dans la tête, elle va aussi. C'est ça. Elle a l'air d'être disponible. Moi, je pense que ça peut être un bon modèle par la suite. Hein, bah, elle a aussi un corps que moi, j'aime bien. Sa façon de... ses formes et tout. Je... Ouais. Elle avait l'air d'être petite quand même, la jeune fille. Ça, il n'est pas important. En fonction des besoins. D'accord, ok. Trois à quatre questions à peu près. C'est très bien. En fonction de ce qu'on voit, par exemple, si toi tu as une question à poser sur le fils, tu poses ta question, moi pareil. Et puis après on juge et puis après on demande de défiler. Elle était bien. Hein. Ouais, on a bien aimé. Ouais. On valide pour la première. Ouais, valide. On valide du potentiel. Il y a du potentiel. Très grande marque de vêtements, mais encore petit. Oui. Il aurait fait 1m90. Okay. Je crois que j'aurais mis orange voire bleu. Bleu. Parce que clairement, ça aurait été nickel. Mais là, niveau de la taille, pour certaines marques, ça va être compliqué. Mmh. Mais sinon, après, sur la prestance, sur comment il défile, c'est top. Hein. Mmh. Bon, juste, le petit sourire aurait été pas mal. Mmh. Il manquait de sourire, même si pour défiler, c'est pas obligatoire. Ouais, mais juste pour qu'il lui montre son petit sourire, ça aurait été pas mal. Il se voit déjà très haut. On lui a demandé tout de suite, il a dit Gucci. Ouais, donc il vise bien. Il vise, oui. Voilà. Et c'est parfait, c'est trop bien ça de visio. Donc, Il sait ce qu'il veut. Ouais. Moi je l'aime bien. Je l'ai bien aimé. On peut voir sur son orange. Pour moi c'est orange. Mmh. Okay. Beaucoup de potentiel. Ils sont très cool, ils sont accessibles, ils m'ont posé des petites questions, c'était assez cool. Bon, c'est vrai que le moment danse m'a un peu perturbé, mais sinon franchement c'était vraiment une bonne expérience. Quoi. Donc en espérant que la suite a fait et que chacun a l'air. Ça reste une belle femme, elle est grande aussi, elle est assez grande. Comment ? Oui, très grande. Enfin, au niveau de la présentation et tout, c'est nickel, vraiment. Ça va, franchement, je croyais que j'allais être stressée, mais ça va en fait. Mais pourquoi tu veux être stressée ? Je ne passe pas devant les jeux. Les deux mystères qui sont là, et franchement, c'était trop important leur présence. Parce que eux, ils savent sur la démarche, la façon, les critères recherchés. Alors que moi, je vais plus aller dans la profondeur, les questions et tout. Donc, c'est top.
62. Elle fait combien ? 1m62. Ouais, c'est bon. Mmh. Ça, ça va être compliqué. C'est pour ça qu'on met une réserve pour la taille. Pour du cosmétique, ça peut le faire. Oui. Je commence à avoir faim. Mmh. Il a dit qu'il a préparé quoi ? Colombo. Colombo, moi je rigole pas. Tu connais le Colombo ? Oui. Oh, maintenant qu'il y a du poulet, moi ça me va. Hein. Ah, moi c'est bon, hein. Le poulet c'est parfait. Non, on finit tranquillement. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont pas, on dirait pas adaptés. Pas assez de motivation pour certains. Ouais. C'est dommage. Franchement, pas encore la perle rare, mais il y a un profil quand même qui est plus marqué que tous les autres. Mmh. Mais on attend encore. Qu'on nous épate. En fait, au début, on a eu à manger. Et vers la fin, là. Ils sont un peu tingres. C'est pas faux. Ouais. Un peu tingres. Sur la réserve, donc on veut qu'ils se lâchent. J'ai un petit coup de cœur. J'ai mon coup de cœur. Moi aussi. J'ai mon coup de cœur aussi, pareil, également. Ouais. Mais je veux celui qui va me faire waouh. Coup de cœur, je sais pas, t'as un coup de cœur. Donc j'aime bien. J'apprécie bien. Moi j'ai mon coup de cœur. Je suis d'accord avec toi, coup de cœur peut-être pas non plus, mais deux que j'apprécie. Deux, on va dire, deux, trois, pour être gentil. J'attends, moi j'attends. Ok. Mais vous l'avez épuisé ? Tu m'étonnes. En fait, je trouve qu'elle a vraiment un corps. J'aime beaucoup son corps. Hein. J'aime beaucoup son corps. Mais elle sait pas où. On parlait de quelqu'un qui allait se débarquer. Moi, je trouve qu'elle se démarque beaucoup. Ah, oui. Oui. Clairement. Oui. Oui. Pour les défiler, la taille parfaite. Oui. Le oui, corps oui. Parfait. Elle s'est déjà défilée. Oui. Bon, bah, elle est stressée parce que, bon, comme elle me disait, ça fait qu'un an qu'elle est en France, si j'ai bien compris. Ça. Forcément, ça reste compliqué hein, oui. D'être devant un jury, ça fait qu'un an qu'il y a eu là. Pour parler la langue et tout, c'est pas facile non plus. Oui. Et c'est quand même bien exprimé. Hein. Ah oui, Moi, je partirais. Elle a un grand corps et je trouve qu'elle sait pas où mettre son corps. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, mais en fait, c'est ça. C'est ça. Les personnes qui sont hautes, en fait, ça a toujours été ça, leur souci. Et même quand ils défilent, hein, généralement, quand on regarde, ils sont toujours en mode. C'est parce que justement, ils sont trop hauts. Elles sont trop hautes. Mais après, en soi, ça, c'est pas un souci. C'est clair, pas du tout. Au contraire, vraiment. Elle a des grands bras. Non, elle est. Je pense que ouais, pour son agence, en tout cas, c'est un fort potentiel. Ah ouais, hein, c'est elle la numéro une. Hein. Pour moi, c'est elle qui a le meilleur défi. Ouais, clairement. Et elle, tu la lâches pas. Et en plus, là, quand elle a posé, justement, elle s'est arrêtée devant caméra. Comme si, en mode, ben, regardez-moi, en fait, prenez-moi en photo, je suis là. Oui, tandis que. Donc, elle veut, c'est la langue. Moi, je valide. Ouais. Même les faits, c'est là, parfait. Je pars sur du orange pour moi. Elle, tu la lâches pas du tout. Demain, un recruteur à voir, je pense qu'il apprend tout de suite. Hein. Alors, elle a vraiment le corps des filles qui défilent pour les grandes mains. Vaut mieux sauter sur l'occasion. Là, tu l'as. Le CV que tu l'as mis. Oui, ben bonjour, je m'appelle Judy Modène, j'ai 30 ans, je suis modèle depuis 4 ans à peu près. Et à côté de ça, je suis ingénieur aussi.
prenez vraiment toute la salle. Vous avez l'habitude de toute façon vous de montrer comme si vous étiez un défilé de mode. Okay. J'aime beaucoup. Ouais, comment il a défilé, j'ai adoré. Beaucoup de prestance. Hein. Vraiment, pour moi, c'est numéro 1 au niveau de la prestance. J'ai adoré. Ouais. Vraiment, ouais. C'était top, 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 là, top. Du coup, bah, il passe devant. Clairement, avec un peu d'entraînement et tout, ouais. Bah, c'est nickel. En plus, il va avoir une expérience en concours de beauté. Ça, c'est quand même pas négligé, parce qu'il va avoir des entraînements en plus. Ouais. Alors, limite, le mec va être prêt au moment où on aura besoin de lui. J'aime vraiment beaucoup. Hein. En plus, il en a dans la tête. Ça, j'adore. Il a de l'expérience, il occupe, l'espace, il sait poser, niveau caméra, on voit très bien qu'il sait, en fait, il sait capter l'attention de tous les caméramans, c'est-à-dire que là, il y avait nous, il nous regardait nous en même temps, il regardait en même temps le caméraman, il regardait en même temps le photographe, il sait capter l'attention en fait. Et même pour les photos, je pense que ça peut envoyer. Hein. Pas. Alors, moi, il y a beaucoup pas. De prestance, la façon de défiler est pas mal, mais ça reste pas parfait. Oui, c'est ça. La présentation de début, bon... on doit lui poser des questions quand même, il a un peu de mal. Alors, je peux pas lui mettre bon nom. Mais pareil, je lui mets un beau orange. Un beau orange. Je lui mets un beau orange. Un orange 18,1. Ouais, c'est ça, exactement. Orange 18,1. Pour l'instant, c'est lui le mec de tous les mecs qu'on a vus. C'est lui. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Le plus propre, le plus. Ah ouais, franchement, il a un potentiel. C'est fini pour nous, on a trouvé la personne qu'on recherchait et aussi deux, trois personnes qu'on va retenir dans l'agence. Donc je suis très contente. Je valide. On valide tous. On est tous d'accord pour. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager et rester positif. C'est ça le plus important. Ah oui.